Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc voir aujourd'hui les 7 meilleurs trucs sur votre Amazon Echo Show ou sur votre Amazon Echo tout simplement. C'est parti, n'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Allez, le premier truc qui va être très intéressant si vous possédez plusieurs appareils iPhone, Android ou voire plusieurs appareils Echo à la maison de chez Amazon, vous pouvez demander à Alexa de faire une annonce. Vous dites tout simplement: Alexa, fais une annonce. Quelle est l'annonce? À table, il est l'heure de venir manger. Annonce en cours. À table, il est l'heure de venir manger. Voilà, donc tout simplement en faisant une annonce et en demandant à Alexa faire une annonce, vous dites votre annonce et c'est parti, tout le monde sera au courant qu'il est l'heure de manger. Alors ensuite, le rôle de Alexa sur votre Echo est d'être votre assistant vocal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui demander de gérer votre maison. Echo Show est vraiment un assistant fait pour rendre votre maison entièrement connectée, tel que si vous demandez: Alexa, montre-moi la caméra de Christophe. D'accord. Possibilité de voir vos caméras. Alexa, éteins un ruban. Possibilité de gérer la lumière et bien plus comme d'habitude. Donc, son rôle principal est vraiment d'être à votre service pour gérer l'intégralité de vos objets connectés. Et votre assistante est toujours là pour vous écouter et pour vous aider, même à l'extérieur de votre domicile. Vous êtes en plein supermarché et vous êtes déjà retrouvé en train de vous poser la question: qu'est-ce qui vous manque comme course? Eh bien, Alexa est là pour ça. Tout simplement, vous allez lui demander: Alexa, ajoute du lait à ma liste de courses. J'ai ajouté lait à votre liste d'achat. Tout simplement, vous allez construire votre liste de courses avec votre assistante. Et donc, arrivé au magasin, vous n'aurez plus qu'à ouvrir votre smartphone, aller dans votre application Amazon et voir votre liste de courses remplie. Elle sera même capable de vous imprimer cette liste de courses. Tout simplement, vous lui demandez: Alexa, imprime ma liste de courses. Votre liste de courses était envoyée à l'imprimante HP. Et ici, on peut s'apercevoir qu'elle est capable aussi d'imprimer la liste de courses. Plutôt cool, non? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette assistante. Est-ce que vous l'utilisez comme cela ou pas? Ça m'intéresse vraiment. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à laisser un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner pour encourager la chaîne. On continue. Et oui, vous allez même pouvoir utiliser Alexa pour économiser de l'eau, pour qu'elle puisse détecter des bruits environnementaux, des bruits de bébé, des bruits d'appareils ménagers. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour les personnes en situation de handicap de surdité. Imaginez-vous que votre lave-vaisselle sonne lorsqu'il a fini, mais vous n'êtes pas capable de l'entendre. Vous pouvez déclencher une routine pour faire cela. Une routine pour que Alexa écoute à votre place l'eau qui coule et vous prévienne, soit par flash sur l'écran, soit par message vocal, qu'il y a de l'eau qui est en train de couler dans votre maison. Alors si vous êtes intéressé par les routines d'Alexa, surtout dites-moi ça dans la section commentaires. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment créer des routines bien spécifiques. Je compte sur vos commentaires si ça vous intéresse. Allez, je vous montre tout de suite ça, comment ça marche. Je vais demander à mon Google Assistant de faire le bruit de l'eau. C'est parti. Fais le bruit du robinet d'eau. Christophe l'eau coule. Christophe l'eau coule. Christophe l'eau coule. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, Christophe, l'eau coule, c'est le message que j'ai demandé que Alexa me délivre lorsqu'elle entend de l'eau couler autour de moi. Plutôt cool, non? Dites-moi en commentaire, vraiment, si ça vous intéresse, les routines sur Alexa, on pourra voir ça ensemble, ça peut être vraiment cool. On continue. Alexa, active chuchotement. Bien sûr, les réponses chuchotées sont maintenant activées.
Voilà, donc maintenant le mode chuchotement est activé. On peut lui parler et elle va chuchoter. C'est parti. Alexa, quelle heure est-il ? Il est 20h54. Vous venez d'entendre, elle chuchote. C'est vraiment extraordinaire d'avoir ce genre de réaction venant d'un assistant. Alexa, quelle est la météo demain à Paris ? Voici les prévisions météo pour demain à Paris et de France. Attendez-vous à un temps nuageux avec une température maximale de 8 degrés Celsius et une température minimale de 3 degrés. Voilà les amis pour le mode chuchotement de notre assistant Alexa. Allez, on continue. Alors, Alexa est capable, par exemple, si vous êtes sur votre bureau et que votre enceinte est mise sur votre bureau, vous écoutez une vidéo YouTube qui n'est pas en français, mais vous désirez l'entendre en français. Alors, j'ai la solution pour vous. Demandez à Alexa d'être votre interprète. On va le faire tout de suite. Alexa devient mon interprète. Quelle langue dois-je traduire ? Espagnol. D'accord, prête à traduire. Je vais enregistrer cette conversation dans le cloud afin d'améliorer mon service. Lista para traducir. Guardaré esta conversación en la nube para mejorar mi servicio. Hola, ¿cómo estás? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Va bien, gracias. Hola, muy bien. Bonjour, très bien. Hola, ¿qué tal? Bonjour, comment allez-vous? Arrêtez, traduction. Voilà, donc cette solution, si vous avez donc un Echo Show sur votre bureau, vous écoutez une vidéo YouTube en anglais, en espagnol, en n'importe quelle langue d'ailleurs, alors Alexa deviendra votre traducteur et vous pourrez comprendre toutes les vidéos qui ne seront pas en français. Plutôt cool, non? Voilà donc, et comme vous savez, dès que vous discutez avec Google Assistant ou Alexa ou Siri ou Bixby, d'ailleurs avec tous les assistants vocaux, tous ces assistants vocaux préservent vos conversations, tout ce que vous dites chez vous est écouté et mis sur des serveurs. Et vous pouvez, avec Alexa, demander qu'elle efface tout ce qu'elle a entendu. Et tout simplement, vous allez lui dire la phrase clé. Voilà, vous êtes capable donc de supprimer tout ce que vous avez dit sur les serveurs d'Amazon. Si dans une journée, il vous semble avoir dit des informations importantes, ça peut être utile à savoir. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures sur Vision Hightech accessible à tous. À très bientôt. Salut à tous.